Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Est-ce bien vrai de considérer en 2019 que la misère est moins pénible au soleil? Alors que l'Europe vit une canicule historiquement précoce, la misère ne serait-elle pas plus vivable à l'abri en Bretagne? Bretagne, qui par les différentes études liées au réchauffement, serait le dernier îlot du territoire à être significativement impacté par l'augmentation des températures. Alors la canicule, c'est quoi? C'est un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Vous me direz que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'en 2003 et 2015, la France a connu ce phénomène. Sur la première quinzaine du mois d'août 2003, des records de température ont défrayé la presse européenne, créant des crises politiques et de nombreux morts, plus de 70 000 en Europe, dont 20 000 en France. La gestion de la crise a démontré que de nombreux pays n'étaient pas prêts pour de telles températures. Sommes-nous aujourd'hui prêts? L'État ne doit-il que résumer les conseils à suivre pour s'hydrater en période de canicule via des vidéos ou des conférences? Ou doit-il avoir une action concrète dans ses investissements pour protéger sa population? La fréquence va s'accélérer, ces épisodes deviendront de plus en plus nombreux dans le temps. L'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est responsable de ce réchauffement terrestre accéléré. Les conséquences de canicules répétées affectent de nombreux domaines et bien au-delà de notre propre sphère personnelle et anthropocentrée. Il est vrai que le premier impact agit sur notre santé. Notre corps est une merveilleuse machine vivante dont les interactions quotidiennes internes nécessitent beaucoup d'énergie. Aussi, il émet énormément de chaleur. La température de notre corps est de 37 degrés et 25 degrés en extérieur et le maximum qui permet à notre corps de se refroidir de ce fonctionnement. Pour pallier un excès de température extérieure, comme en période de canicule, celui-ci va mettre en place un dispositif de contre-attaque. Deux mécanismes s'activent à faire chuter la température, le débit sanguin augmente dans les vaisseaux les plus situés en surface, et les glandes sudoripares sécrètent un mélange d'eau et de minéraux qui s'écoule par les pores de la peau, appelé aussi la sueur. Ce système de défense contre les grandes chaleurs suppose donc un affaiblissement temporaire du corps. En conditions extrêmes, notre corps peut évacuer jusqu'à 1 litre d'eau par heure, d'où le besoin de s'hydrater quotidiennement. Différents symptômes peuvent donc apparaître comme des maux de tête, des nausées, voire une dégradation physique et intellectuelle. Notre corps est donc fortement altéré durant ces périodes, ne nous permettant pas d'agir comme nous le souhaiterions. Cette contrainte physique va donc s'amplifier au fil des années, provoquant migration pour les plus pauvres et les plus exposés, et séquestration pour les plus riches. Comme par exemple, parcourir 800 mètres en voiture comme peuvent le faire nos dirigeants pour éviter que tout degré supplémentaire ne se colle à leur peau. Le couperet de l'inégalité entre les individus tombe de nouveau sur la place publique, sur ce défi d'adaptation qui est imposé de manière très rapide aux humains par le réchauffement climatique. Au-delà de notre propre santé, tous les secteurs d'activité sont impactés. Le coût de ces fortes chaleurs sur l'économie, sur la productivité des entreprises, des transports et de l'agriculture peuvent être déjà chiffrés à plusieurs milliards de dollars. Selon une étude de l'OMS et du Bureau international du travail, il faudrait 15 degrés à l'année pour avoir une productivité optimale, sinon l'inertie thermique vient perturber l'activité humaine. Est-ce réellement un mal ? Des prévisionnistes estiment qu'à l'horizon 2030, 2000 milliards de dollars s'évaporeront chaque année sous l'effet du réchauffement climatique. L'agriculture et la sécheresse, le BTP et l'impossibilité de couler du béton ou bien de grimper sur les toits, le nucléaire et le ferroviaire au ralenti, voilà les impacts concrets et directs d'un épisode caniculaire sur l'activité humaine. Aujourd'hui, il n'existe aucun texte dans le Code du travail mentionnant la température maximale à laquelle nous pouvons travailler. Excepté quelques recommandations de prudence aux dirigeants, dès qu'il fait 30 degrés et que la chaleur nocturne ne tombe pas, ce texte fait défaut aujourd'hui.
Mais cela ne s'arrête pas là. Ces événements répétitifs perturbent également les écosystèmes en place. La capacité d'adaptation de la faune et de la flore est inférieure à la rapidité du réchauffement. Aussi, dans le temps, nous allons observer une disparition progressive des écosystèmes pour aller vers des paysages beaucoup plus arides où les cultures vivrières seront différentes et certainement très appauvries. Dans la nature, plus la période de reproduction est courte, comme chez les insectes ou encore les bactéries, plus la capacité d'adaptation est rapide. A contrario, plus la durée de gestation est longue, comme chez les mammifères ou l'homme, plus la capacité d'évoluer génétiquement est longue et donc insuffisante en cas de changement de conditions de vie trop brusques. Mais la canicule, c'est également la sécheresse, comme en ce moment dans le Gard et en Sardaigne pour un début juillet. Des feux qui brûlent des hectares de forêt qui permettaient de stocker le carbone et réguler la température du sol. C'est également une augmentation de la volatilité et stabilité des particules fines et ainsi de la pollution atmosphérique. J'ai été très surpris de voir qu'il existait une météo de la pollution atmosphérique en Europe, comme pour les températures. La seule différence qu'il faut qu'on m'explique, c'est que lorsqu'il pleut, je prends un parapluie, mais quand c'est pollué, je fais quoi ? Voilà ce qu'est la canicule, une modification complète de notre environnement écologique, économique et donc politique et social. L'inertie des gouvernements à ne pas s'emparer de ce défi majeur fortement lié à la survie de l'humanité est tout simplement affligeante. La vérité doit être dite, nous ne sommes pas en crise économique comme on nous le martèle sans cesse, mais bel et bien dans une crise écologique existentielle. Nous pouvons nous rabattre comme nous le propose le secteur marchand sur la technologie pour soulager nos sueurs caniculaires, ventiler, climatiser, apportez-vous tout le confort dont vous avez besoin à hauteur de vos moyens. Oubliez totalement que la climatisation mondiale correspond à 10% de l'utilisation de l'énergie mondiale. Oubliez également qu'en rafraîchissant votre intérieur, vous évacuez encore plus de chaleur qui contribue une fois de plus au réchauffement. Comme le dit Gaël Giraud, il faut malheureusement, pour celles et ceux qui souffrent de la chaleur, limiter l'usage de la climatisation aux situations d'extrême nécessité. Sinon, la climatisation fonctionne comme une maladie auto-immune, les anticorps aggravent le mal. Optez pour des astuces simples, ouvrez en grand la nuit et refermez le matin avant que la chaleur n'augmente, fermez les volets, n'hésitez pas à vaporiser un peu d'eau au sol, par l'évaporation celle-ci emmagasine de la chaleur, restez calme et profitez-en pour vous reposer l'après-midi et être plus actif en matinée. Adaptons-nous un minimum en modifiant nos comportements, c'est la première solution. Plantez des arbres, un arbre équivaut à 5 climatiseurs, ressentez la fraîcheur lorsque vous passez près d'une forêt et vous comprendrez l'importance des végétaux. En ville, le bitume, les bâtiments et le manque de verdure amplifient la chaleur d'au moins 4 à 5 degrés. Il est vraiment temps de redonner place aux vivants qui nous protègent naturellement. Voilà vers quoi nous précipitent des périodes caniculaires, une augmentation du CO2 et une augmentation de notre vulnérabilité. Nous pensions que rien n'était plus grand que notre génie bâtisseur, nous avions tort. L'été risque d'être chaud, bon courage à chacun, gardons tout de même la tête froide et prenons conscience ensemble que le réchauffement climatique nous appelle à changer nos comportements par la modification de notre modèle de développement incompatible avec notre survie à tous. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça pas Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois, Green, absolument. Green, plus Green.